Bonjour YouTube. La semaine dernière, j'ai commencé à te raconter mon retour en France. Alors, si tu l'as pas vu, ici, je te mets une fiche. J'espère que c'est le bon côté. Si tu es toujours là et que tu as vu la première partie, et voici la deuxième. Je t'ai quitté, j'étais bien dans le gaz après mon étape en Espagne. Au bon milieu de l'Espagne, je ne me rappelle plus dans quelle ville, mais est-ce que ça a de l'importance? Là, je repars, direction la France et direction... Est-ce que tu as suivi les lives? Eh ben, écoute, si ce n'est pas le cas, c'est une erreur, mais finis de regarder cette vidéo et quand tu verras qui j'ai rencontré, eh ben, t'iras voir les lives et tu verras qu'on s'est fendu la gueule. Je me fais une petite pause café et pipi qui va arriver après, mais je suis quand même sur le cul. L'Espagne, ça monte, ça descend, et les Espagnols, comme les Portugais, ont un problème, ils savent pas adoucir les pentes, tu vois. Et malgré ça, comme j'ai un peu envie d'arriver, je roule un peu plus vite que d'habitude, c'est-à-dire 90 en 80-90. Ce matin, j'étais un peu encore dans le coltard. Oh merde, les mouches! J'étais un peu dans le coltard. Du coup, plutôt 70. Mais bon, là, de moyenne, 80-90. Et il doit y avoir de l'orage parce qu'elles sont comme des folles, les mouches, un truc de fou. Vois-tu, Lulu? 500 bornes au compteur journalier, j'ai mis le plein, enfin j'ai remis à zéro le compteur quand j'ai fait le plein, et il me reste encore un cran, on est à 500 bornes, c'est hallucinant, il consomme franchement pas grand chose ce truc, hein. Donc je suis content, ouais. Ouais, là je pense qu'on est peut-être même en dessous des 8 litres alors que je roule quand même, tu vois. Alors bon, c'est sûr, c'est de l'autoroute, c'est vitesse constante. Et la moto se porte bien, voilà. Et on a une jolie vue, on a l'autoroute, mais on a quand même une jolie vue pour boire le café. Donc je finis ma bassine et je me casse. J'avais plein de notifications puisque bah, comme je roule, je suis pas constamment sur l'iPad. Et j'ai vu que beaucoup d'entre vous se sont inscrits, pardon. Ouais, j'ai dû foutre du bégon tellement il y a de mouches. Donc beaucoup d'entre vous se sont inscrits sur le site. C'est cool, continuez. Continuez pour ne rien louper. Le fourgon de la morue.eu, Facebook, YouTube, voilà, festival de l'abonnement. Voilà, abonne-toi, des pouces, c'est gratos.
de passer la Jonqueira. Et venant du Portugal, je confirme ce que dit CC. C'est pourri. J'ai pas vu de pute, j'en ai pas cherché. Et là, putain, je suis dans les bouchons. Il me dit 1h41. Bah oui, klaxonne, du coup, ça va t'aider à aller plus vite. Et je suis dégoûté. Hein. Faut vraiment que j'ai besoin de rentrer en France pour. Parce que là, j'en peux déjà plus. Quoi. Enfin, 1h42. Hop là. Pour 103 bornes. Et le camion monte en température. Voilà. Ça fait chier. Donc, voilà. Putain, on est dans un endroit, il y a des beaux gosses. Oh les jeunes! Comment ça fait plaisir de te voir? Mais grave! Mais grave! Eh, le vrai CC! Voilà! Et le vrai Neverland, putain, sans chapeau! Eh mec, t'es en train de filmer? Ah oh bah oui, attends, c'est unique. Et oui, regarde, je me cache parce que j'ai cru que c'était la DDE. Ah bah oui, toi, oui. Putain, c'est à cause du feu. Bon, après, le reste, c'est putain, cochon. Putain, c'est le reste, c'est qui est arrivé. Ouais, le reste, c'est cochon, c'est privé. On est en train de faire un poulet médiéval. Voilà, ça va être la foule. Costis, le poulet médiéval, c'est pas la date de... Non, c'est pas... J'ai été le chercher là-bas dedans. Rentrer là-bas. Ah d'accord. C'est Medieval Times, c'est ici, Medieval Times. Putain, il est là, regardez que sa mécane et tout, c'est incroyable. Ah ouais, bah maintenant c'est que pour nous, hein. On vous dit à plus tard. Bon, on vient d'arriver. Il était chouette cet hôtel, hein, qu'on a choisi. Ouais, moi j'ai bien aimé le B&B. Ouais. Et c'est bien parce que ça permet de faire croire aux gens qu'on est des nomades. Exactement. Tu filmes là? Ah merde. Ah il filme. Et alors tu... Alors tu... Non, mais, t'as pris le déjeuner au B&B ce matin ou pas? Ah bah oui. Hôtel Ibis. C'était, ah oui. C'était l'eau Sofitel toi non? C'est ça non? Ouais. Ouais mais c'est il a de la caillasse, il fait croire mais... c'est le Sofitel, c'était bien. Ouais. Mais par contre lui c'était la femme de chambre qu'il a pas trouvé à son goût. Ah voilà ouais. Ouais mais ça va finir DSK et son histoire. On arrête de bouger de bardou. Ouais mais pas jeune quoi. Faut pas courir après les femmes de ménage comme ça, c'est ça va finir à faire DSK. Hein. Ouais non puis après t'es essoufflé. Voilà. Et alors en plus, puis alors évidemment on est branché quoi. Essoufflé. Donc on est branché. Non la vraie vie on vous fait croire que. Et puis bon là on s'installe pour la prochaine vidéo pour faire croire. Et voilà c'est... Et puis on après on retourne au bureau parce que bon tu sais la paperasse quoi hein. Et moi je suis pareil, je fais croire que je suis au Portugal mais bon voilà, t'es censé être au Portugal normalement mais là t'es flag. Ouais là les gens sont aperçus du mensonge ultime. Ouais mais c'est tout ce temps c'est un peu une évasion fiscale hein. Une évasion fiscale. Et d'ailleurs, tu le vois que c'est du pipeau parce qu'ils ont du mal, ça fait 2 heures qu'ils sont sur leur auvent, hein. Sur leur store. Hein. Et là, tu t'aperçois que c'est tout du pipeau. Et voilà. Putain. Alors ensuite, on a préparé la bouffe pour midi. Hein ? À midi, on mange australien. Ouais, voilà. Ma pipi ! Regardez les beaux yeux. Elle a les yeux verts, la fille. Ça marche. Ah ouais. N'en tire pas trop fort, tu vas me tirer le camion. Allez, je te détache. Parce que madame aura pris les sangliers la nuit, alors je suis obligé de la tenir parce que... Ouais. Elle se fait manger après, pas. Elle peut se faire charger par un dinosaure, quoi. Ah, Pépé. Ah, t'es en train de nous dire que c'est pas toi la créature la plus dangereuse du coin? Non, c'est E.T. Ah oui, mais c'est vrai. Le problème, c'est qu'E.T., il est pas tolérant. Si elle veut le voir la nuit, il y a pas bon. Je te garantis. Ouais, mais c'est ça en fait. Il la désintègre. La seule chose qui est pas fausse
dans toutes nos histoires, c'est E.T. Il y a Kitty en fait, Kirel. C'est ça. Ouais, c'est tout du pipeau. Putain. Ça c'est clair. Alors, filme pas ma plaque parce que sinon ils vont s'apercevoir que le véhicule ne m'appartient pas. Ah, toi aussi. Et que je suis un gros mytho. Je le loue pas trop cher à un petit vieux, tu sais. Ah bon? Et je m'arrange à tourner mes vidéos. Mais tu t'es fait niquer, moi c'est YouTube qui m'a fourni le camion. Hein. C'est vrai, putain, mais par contre ils se sont pas cassés le cul. Ils auraient pu quand même te le peindre, je sais pas moi. Ouais. Dans une couleur. Non, mais ils m'ont dit laisse, ça va faire un côté mendiant. Voilà. Ouais, ça marche mieux. Et voilà. Ouais. Tu sais quoi, on va le peindre en orange aujourd'hui, mon camping-car. Enfin, celui du petit vieux, il dira rien après tout. Ouais, il voit plus rien. Ouais, c'est ça l'histoire. C'est pas grave, hein. Putain. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, c'est bien, on va manger de la viande ferme tout à l'heure. Ah, Pépé, tu plombes pas devant les camions. Hier, elle nous a fait des mines. Ah, Fifi. Pareil, là on a mis un peu de bazar ce matin, histoire de faire croire quoi. Bah avec Cécile c'est facile. Le bazar ça va très vite. Regarde moi ça, le pollueur, regarde. Ah bravo hein Cécile. Ah putain, ça va que c'est du cinéma hein. Ça va que c'est du cinéma. Bon, ça va que t'es un acteur, parce que sinon. C'est ça. Fou aussi, hein. Pour un breton. Trop chaud. Écoute, par contre ici tu vas voir à midi et demi. On aura de l'ombre. Mais on sera au resto à cette heure-là. Ah ouais? Oui, non, mais on revient après. Ah ouais, enfin, pardon. J'ai merdé. Ouais. La clim, elle est bien pour Topaille ou pas? Pour Topaille, c'est bon. Ouais, ça va. En plus, moi aussi, j'ai touché 2 500 € par YouTube. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, mais attends, rassure-moi. Et la semaine? Hein. Ah, la semaine? Ah ouais, parce que le mois, c'est pas crédible. Ah, non, hein. C'est génial. 2 300, moi, merde. 2 300? Putain. Ouais, mais t'as pris 2 jours de congé. Non, déconne pas. Non, mais on t'a dit, fais des vidéos à bloc, comme les Chinois. La méthode chinoise, c'est-à-dire que tu fais du contenu pourri, mais t'en fais beaucoup. Tu compenses, tu vois. C'est ça. C'est comme le matériel chinois, tu vois. On fait beaucoup de matériel de merde qui coûte pas cher. On inonde la planète, mais derrière, on fait du chiffre sur la quantité, pas sur la qualité. Voilà, c'est ça. Moi, je suis dégoûté. Cette semaine, j'ai fait que 1005 parce que j'ai pas voulu aller sous le bureau. Donc, patron de YouTube, il bannit. Non, allez, dégage chez ta mère. Et c'est con parce qu'elle est loin en plus. Donc, ça me fait des frais, quoi. Ah, bah, oui. voilà. Mais dis pas tout quand même. Non, parce que les gens, ils vont croire. Ah, mais c'est toi qui as dit qu'on allait aux courtes pailles. Non, donc, tant, il y a des gens qui vont nous retrouver là-bas. Ils vont plus croire qu'en fait, ça va pas le faire, quoi. Ils vont se dire, ah bon, là on révèle tout, là. Ouais, alors que moi, je voulais vous emmener ce soir au Sofitel, putain. Et là, maintenant, c'est flag, là. Voilà, t'as tout. Putain. Avec sa petite caméra, moi, j'avais pas vu sa petite caméra, là. Merde. Cette regarde. Ouais. C'est discret, ça, j'avais pas vu. Dans sa petite pogne, là, tu vois rien. Ben oui, là, mais comment tu crois que je filme sous les jupes des filles? C'est pas possible. Alors, là, eh oui. Non, là, je suis déçu. Hein. Là, c'est il a foutu mon plan en l'air, hein, dans les deux barres, parce que... Non, mais c'est foutu, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire, maintenant? Tu parles, ouais, Neverland, c'est un imposteur. Et voilà, c'est pour ça. Hein. Si tu pouvais filmer la chienne, parce que je l'ai louée aussi pour passer pour un nomade, ouais. Ça m'arrangerait. D'accord. Ouais, parce que ça me coûte quand même 50 balles par mois, hein, la location. Putain. Mais qu'est-ce que je veux dire? En fait, le chapeau, c'est pour cacher la crête, parce que t'es un peu un caché, en fait. Je vais me dégoter tout un tas de chevaux, tu sais, pour faire croire que j'ai un ranch et tout. Putain. Ça, c'est une bonne idée, ça. C'est pas con. Tu vois, je vis avec des chiens et des chevaux. Je négocie un prix, tu vois. Et puis tu fais d'une pierre deux coups, ranch et boucherie chevaline. Voilà. Mec, nickel. Et là, filme-moi, je vais sortir des panneaux solaires pour faire croire que je suis autonome. Allez, nickel. Ah. Ouais, comme quoi que ça m'arrive, hein. Bah ouais, non, parce qu'il y en a qui disent que c'est une légende. Tu saignes de la tête. Soit tu t'es tapé, ah ouais. Soit t'as réfléchi. C'est le soleil. C'est le soleil. Ouais. Putain. Bah y'a que moi qui branle rien en fait. C'est bah j'ai fait le café, hein, donc voilà. On peut pas tout faire non plus. C'est quoi. Super déjà. Bon, et puis alors ouais. Là, Polo, qu'est-ce que tu fais? Tu pisses? Non. Ah. Aïe merde. T'es chaste? Alors je te montre, tu vois quand je suis en déplacement, je fous mes panneaux solaires flexibles qu'on a pu voir sur mes vidéos avec, il y en a un qui a un cadre,
Et l'autre, je le balade. Ah, les faux panneaux, tu m'as dit. Ouais, oui. En fait, ils sont au carton plein. Ouais, attends. Peut-être je peux t'aider. Ça va aller, ouais, on est comme ça. Et tu vois, quand je me déplace, ben, je les sors. Je les mets dans la soute. Ah, mais c'est là aussi que tu mets tes gosses. Je les rentre. Oui, parce que j'en ai une demi-douzaine. Eh ouais, ouais, mais... Bon, qui est ça là-bas? Madame Leverland m'a dit attention, hein. Faut pas lui en promettre. Ah bon, t'as dit ça? Ah bah écoute... Ah merde, je suis même pas au courant. Bah on discute, hein. Alors, attends. Voilà. Et on va tirer les câbles. Alors c'est sûr, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il est précaire, oh là là. Non, moi surtout, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu t'emmerdes alors qu'on se branche, quoi. Alors qu'il y a EDF. Bref, oui. Ouais, c'est vrai, mais c'est... T'as pas compris encore. C'est putain, c'est presque du snobisme. C'est pour faire des vues, bordel. Tu le sais pas encore. C'est presque du snobisme, quoi. Et EDF, en plus, ils m'ont fait gratuit, hein, un forfait, parce que... ouais, si tu peux nous sponsoriser, tu vois. Comment ça s'appelle déjà, la Bénédice, je sais pas quoi, là. Non, c'est toujours EDF. On va pas en faire de pub. Enfin. Ouais, non, c'est plus EDF. Pourtant, j'ai une borne qui est là, nickel, hein, maçonnée... Ouais. Ouais, elle est derrière le camion. Je crois que j'ai 10 kilowatts, je sais pas quoi. C'est gratuit, hein. Putain. Donc tu vois, voilà, après je les branche, je les rejoins là. Là, il faut que je rappelle. Ouais, t'es un peu... tu t'es énervé. Et tu m'as déconcentré. Oui, je sais bien. Et encore, je suis habillé. Après, je perds l'illusion, tu vois. C'est-à-dire que j'arrive pas à montrer aux gens que tout ça, c'est du show, toi. Ah, putain. Quand je suis filmé comme ça, j'ai pas l'habitude. Parce que moi, je triche, je fais des montages. Et on croit, tu vois. Comment ça, quand tu montes une vidéo, tu peux tricher. Mais là, c'est comme un live, tu vois, je suis obligé de... Eh ouais, t'as pas l'habitude. Là, je suis coincé, quoi. Donc, tu vois, là, je rejoins. Je repars, et pour faire croire d'être autonome. Et donc, du coup... Non, mais on coupera au montage, on fera croire que c'est les panneaux solaires. Je suis sûr, je pourrais faire un truc qui passe par en dessous, percer et tout, mais bon, je préfère utiliser le joint. Alors, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais tu pinces ton câble et tout. Ouais. Alors que ça va très bien. Bah, ça fait combien... Il a quel âge, ton câble? Ça fait 6 ans. Voilà, donc... Il n'est pas percé, il n'est pas cassé. Donc, ça va. Bah, je préfère ça que faire une modification de percer au plancher et tout. Et donc, tu vois, bon, le soleil, là, il est comme ça. Donc là, j'utilise pas les ventouses, c'est pas la peine. Je suis pas dans un endroit où on va me faire chier, ouais, vous foutez les panneaux par terre, je suis chez moi. Ouais. Et donc j'ai pas besoin de mettre des ventouses sur le camion, tu vois, les petites ventouses, avec les cadres. Bon, celui-là, j'y ai pas fait de cadre, tu vois. Je déplace un petit peu les deux comme ça, et j'arrive à gérer. Des fois, je mets une petite cale derrière, si tu veux, pour le tenir en hauteur comme lui, tu vois. Ouais. Et ce qui fait que je monte... En ampérage. Je vais te montrer combien on a en ampère, tu vas voir. Eh sinon, tu te fais pas chier, tu le mets sur l'autre. voilà. Il faudrait que je fasse un cadre aussi. Ouais. Alors vas-y, combien on a en ampérage? Eh ben, on va aller voir ça. Je vais d'abord ranger un petit coup le camion quand même, parce que là, c'est le matin. Ah putain. Ouais, puis la drogue et les putes, tu comprends. C'est, ouais. C'est normal que je dis ça, parce que sinon, on va pas croire. Ah oui, ah ouais, non, mais je couperai. C'est le Beans, sinon, je couperai. Donc, voilà, fais une petite pote. Tiens, qu'est-ce que t'as installé toi ce matin? L'étendoir. L'étendoir, je suis monté nettoyer mon panneau un coup, faut d'un coup dessus. Le haut vent, puis c'est tout, pour l'instant. Le linge est en train de laver tout seul. Putain. Grâce au jeunis sans frotter, c'est magique. Ouais, mais c'est pareil, c'est un placement de produit, c'est un partenariat, ça, c'est pas possible. Oui, bah oui. Bon, ah oui, voilà. Faut pas le dire, mais je suis payé par le jeunis. J'ai pas envie qu'il rentre dans le canon. Une seconde, on est bon à ranger. Putain. Bon, c'est bien, on fait son truc. Qu'est-ce que tu rentres dedans? Viens là, allez, aide-moi à ranger un peu. Voilà. C'est presque fini, hein, j'y suis presque. Quand tu dis c'est presque fini, tu parles d'IT ou... C'est presque fini, non, en fait c'est pas presque fini. Ça va prendre un peu plus de temps, regarde. En fait, je crée du désordre délibérément pour faire croire que je vis dedans. Oh mais attends, on fait tous pareil, hein, Polo, hein. Faut arrêter de croire que t'as tout inventé, hein. Je vais encore exciter les perles à pudeur, puisque ben, on m'a encore vu, encore et encore vu, torse nu dans cette vidéo. Oh putain, qu'est-ce que je me sens pas coupable. Enfin, les jeunes, merci, ouais, je me gratte, je me fais bouffer par les moustiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Elle n'est pas finie, il n'est pas fini ce retour en France. Donc il y aura une troisième partie, oui monsieur, oui madame.
En attendant, abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est pas fait. Surtout, abonnez-vous au site lefourgondelamorue.eu parce que c'est là en fait où il y a plein de choses. Vous pouvez voir, vous êtes notifié des nouvelles vidéos YouTube, mais également je mets du contenu qu'il y a sur le site qu'il n'y a pas sur YouTube. Et puis il y a Facebook, mais Facebook me blacklist mon site en ce moment, je sais pas pourquoi, et donc ça a un peu tendance à casser mon couille. Donc je suis sur Facebook, vous pouvez me demander en ami, me suivre sur la page, mais je pense que ça va durer moins longtemps que les impôts, cette histoire de Facebook. Mais c'est, voilà, si je me sens un peu pieds et poings liés, ça me... Donc voilà, abonnez-vous à YouTube, abonnez-vous au site, et ben, je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure.